Bonsoir à toutes et à tous. Après l'élection, c'est le temps des violons. Juste réélu, Emmanuel Macron nous promet une présidence différente, du débat, moins de verticalité. Chiche, lui répond le sociologue Michel Wieworka dans un livre en forme de lettre ouverte. Il sera notre invité avec la spécialiste des libertés publiques, Stéphanie Hennette-Vaucher. Bienvenue, c'est À l'air libre, l'émission quotidienne de Mediapart. Et bonjour Michel Wieworka, vous êtes sociologue, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales et vous venez de publier ce livre « Alors, Monsieur Macron, heureux » aux éditions Rue de Seine. C'est une lettre, une adresse à Emmanuel Macron qui vient d'être évidemment réélu pour un second mandat qui commencera le 14 mai à minuit pour être très précis et dans quelques jours, ce lundi, nous aurons le nom d'un ou d'une Premier ministre et puis après il y aura un gouvernement, il y aura les législatives et plein d'autres épisodes qui viendront après. Dès dimanche, juste après sa victoire contre Marine Le Pen, le président a fait des promesses. C'est avec ambition et bienveillance pour notre pays, pour nous tous, que je veux pouvoir, à vos côtés, aborder les 5 années qui viennent. Cette ère nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s'achève, mais l'invention collective d'une méthode refondée pour 5 années de mieux, au service de notre pays, de notre jeunesse. Alors, visiblement, ça convainc pas vraiment tout le monde, puisque sa première sortie après l'élection, eh bien, durant cette première sortie, le président a été la cible d'un jet de tomate. C'était hier à Cergy, on regarde. Voilà, un jet de tomate, bon, c'est rapide. Ça montre un petit peu aussi l'ambiance du moment qu'on a vu de par ailleurs entre l'entre-deux tours aussi, avec beaucoup d'échanges comme ça avec les Français. Nouvelle méthode de gouvernement, débat permanent. On voit que certains n'y croient pas forcément. Est-ce que vous y croyez, vous, Michel Wieworka? Moi, mon rôle, c'est d'être dubitatif. C'est-à-dire, ne pas dire il n'y arrivera pas, c'est impossible, mais ne pas dire non plus oui, c'est évident. Pourquoi vous êtes dubitatif? Parce que je vois ce qui s'est passé pendant 5 ans. Je vois que le personnel politique risque de ne pas changer beaucoup. Je vois que la haute administration, dans la partie qui a suivi de près l'action gouvernementale, ne sera pas changée. Donc, si vous voulez, il s'est mis en place une culture politique. C'est pas simplement même une personnalité. À la limite, elle peut changer, encore qu'on peut avoir des doutes là aussi. Mais c'est une culture, c'est un mode général de fonctionnement. Quoi, fait cette culture, ce mode général de fonctionnement? Oh bah écoutez, alors ça, la seule originalité que j'ai, c'est de l'avoir dit très tôt. Mais tout le monde le dit, elle est verticale, de haut en bas, elle saute au-dessus des médiations, des corps intermédiaires, c'est d'ailleurs pas la même chose. Les corps, ce qu'on appelle les corps intermédiaires, c'est plutôt ceux qui représentent ce qui vient d'en bas, c'est les syndicats, les partis, les élus locaux, etc. Les médiations, c'est plutôt ce qui fait relation, ça peut être des institutions. Mais enfin, tout ça, on l'a vu quand même plutôt saccagé dans l'ensemble. Et donc, il nous dit « j'ai changé », et ça va changer. C'est ce qu'il nous dit, très nettement. Et vous savez, moi j'ai la connaissance des phénomènes populistes. Le populisme, il y a 10 000 définitions, c'est une jungle conceptuelle, oui. Ça part dans tous les sens. Mais il y a quand même quelque chose de très très important. C'est la capacité de ne pas être embarrassé par ses propres contradictions, ou par les contradictions du réel, et de dire quelque chose comme « je vais rester moi-même tout en me transformant ». Alors je vous laisse réfléchir, comment est-ce que vous allez rester vous-même, puisqu'il est content de son bilan, tout en se transformant. Vous dites, il nous a fait un populisme d'en haut, Emmanuel Macron. Alors ça, oui, c'est quelque chose qui m'a ça toujours frappé. Ça veut dire quoi? Écoutez, d'habitude, quand on parle du populisme, bon, là aussi, c'est difficile d'être précis, parce qu'on ne sait pas si on utilise des catégories un peu scientifiques ou le discours de tout le monde. Mais en gros, quand on parle populisme, il y a deux caractéristiques. Il est aux extrêmes, extrême droite ou extrême gauche, et il est en bas, c'est-à-dire qu'il incarne le peuple. On a déjà vu un populisme du centre en Italie, avec Beppe Grillo. Vous savez, le mouvement 5 étoiles. Parce que un coup, ça venait plutôt de la gauche, un coup, ça venait plutôt de la droite. Donc c'était plutôt un populisme du centre. Macron est là, lui aussi. Je suis à la fois, en même temps, de gauche et de droite. Mais lui, c'est un populisme d'en haut, pas d'en bas. Il ne parle pas au nom du peuple et de ses attentes et de ses aspirations les plus immédiates. Il parle au nom de la raison. Il parle au nom de la réflexion, c'est un discours de gens d'en haut, pas de gens d'en bas. Vous lui dites, alors là c'est intéressant parce que vous lui dites d'autres choses, vous ne lui parlez pas juste de sa pratique du pouvoir, vous lui dites quand même, mettez un peu plus d'ardeur à combattre la corruption, y compris dans vos propres rangs.
On a beaucoup documenté sur Mediapart ici, évidemment, des ministres, des députés, l'entourage même, avec l'affaire Benalla, évidemment, d'Emmanuel Macron. Il vous paraît avoir oublié ce qui était une promesse de sa campagne en 2017. Mais on parle de la même chose en réalité, c'est-à-dire il nous dit voilà, mais il nous dit ça va changer. Mais est-ce que ça va changer ? Ah oui, Benalla n'est plus dans le paysage, mais d'autres leçons que Mediapart a souvent épinglées et continue d'épingler. Alors quand j'ai commencé à vouloir faire une liste, entre autres choses, en lisant Mediapart. Eh bien, je me suis aperçu que ça faisait quand même pas mal de monde. Alors, un certain nombre sont simplement mis en examen ou ont des difficultés. Hein. Mais enfin, je me suis dit, est-ce qu'on aura un environnement plus propre ? Est-ce qu'on aura vraiment des gens choisis pour leur propreté ? Pas simplement pour des raisons morales ou moralisatrices, mais parce qu'un homme politique qui est parfaitement propre, c'est aussi un homme politique qui a le sens du bien commun. Et donc, c'est ça l'enjeu. Donc, voilà. Mais ce n'est pas le cœur de mon livre, mais j'ai voulu signaler que c'était un vrai problème. Vous revenez beaucoup sur les polémiques identitaires menées par, y compris par des membres du gouvernement. On ne parle pas là juste de l'extrême droite, hein, on ne parle pas juste de la droite, de la droite ou de l'extrême droite. On parle de membres du gouvernement qui ont mené des polémiques identitaires. Et vous dites que le président les a laissés prospérer. Alors, entre guillemets, wokisme, entre guillemets, islamo-gauchisme, toutes ces polémiques qui nous ont beaucoup occupés. D'ailleurs, on vous avait reçu pour ça l'an dernier. Vous les lister et vous en montrez d'ailleurs la récurrence et comment ça a été très important en fait, notamment depuis 2 ans. Et vous les trouvez particulièrement graves. Pourquoi ? Elles sont graves sur le fond parce qu'elles nous disent quelque chose. J'ai besoin de 30 secondes ou d'une minute pour vous l'expliquer. On est là pour ça. Elles nous disent la chose suivante. Quand on est dans une démocratie, il faut un principe d'unité. Le corps social dans sa totalité, et un principe de gestion des différences. Des intérêts contradictoires, des religions, etc. Il faut que tout ça puisse être géré. Et la démocratie, c'est ce qui évite que ce soit géré de manière violente. Donc, le principe d'unité et la capacité de traiter de la pluralité des choses. Ceux qui sont sur ce combat-là, ce sont des gens qui inventent une conception de la République qui se substitue à la conception classique de l'unité qu'apporte la nation. Ils ne sont pas spécialement nationalistes, il peut y en avoir. Ils ne sont pas tous souverainistes, il peut y en avoir. Mais ils en appellent à l'unité du corps social. Mais en faisant ça, pourquoi pas ? Mais en faisant ça, quand on les écoute bien, tout ce qu'ils nous disent, c'est wokisme, intersectionnalité, études post-coloniales, études décoloniales, études de genre. Et ça, tout ça, c'est malsain, tout ça, c'est dangereux. Autrement dit, ils prennent des cas extrêmes qui sont effectivement scandaleux. Moi, j'accepterai un certain nombre de choses qui sont évoquées, mais qui sont, comment dirais-je, secondaires, très minoritaires, pour jeter le bébé avec l'eau du bain et pour nous dire, en gros, pourvu qu'on n'ait pas MeToo en France, pourvu qu'on n'ait pas Black Lives Matter en France, etc. Et très souvent, pas toujours explicitement, pas chez tous, mais très souvent, islam et islamisme sont deux notions qu'on confond plus ou moins allègrement. Et donc, pourquoi je suis en guerre, si je puis dire intellectuelle ou politique ou idéologique, contre ça ? C'est parce qu'au nom d'un principe d'unité que tout le monde accepte, tout le monde est républicain aujourd'hui, sauf peut-être Marion Maréchal, et encore, tout le monde est républicain. Donc au nom d'un principe que tout le monde valorise, idem pour la laïcité, eh bien on se débarrasse de ce qui conteste, de ce qui proteste. Qu'est-ce qui est visé dans ces batailles-là ? Alors on a beaucoup dit, y compris des proches d'Emmanuel Macron pendant tout ce quinquennat, disaient mais il faut bien occuper l'espace, on a une extrême droite qui est très présente, donc et on veut ce combat par ailleurs face à Marine Le Pen au deuxième tour, donc bon, c'est une façon, Valeurs Actuelles, l'entretien de Macron à Valeurs Actuelles, c'est une façon d'occuper ce terrain-là, mais bon, en fait, évidemment, c'est pas ce qu'on croit. Mais qu'est-ce qui est visé pour... Alors, je vais vous répondre en vous disant d'où ça vient, parce que ça vous indique qui est visé. Je crois que tout ça a pris son essor avec les attentats terroristes islamistes. Ouais. Et que ce qui est visé, au-delà de l'islamisme, c'est l'explication que je viens de vous donner, ça devient aussi l'islam. Qu'autrement dit, je pense que si on veut comprendre ce raidissement, il faut partir de 2015, peut-être pas de Charlie d'ailleurs, mais surtout du Bataclan. Et deuxième étape, il y en a eu d'autres importantes, mais... De l'assassinat de Samuel Paty. Je crois que c'est ça qui a raidi ce discours au point où il en est devenu ridicule. Je décris tout ça dans ce livre. Il y a un colloque hallucinant de bêtises. Animé par Jean-Michel Blanquer. Hein.
ouvert par Jean-Michel Blanquer, conclu par un personnage qui en pleine pandémie par ailleurs. Oui, bah ça. Alors ça, c'est l'écume des jours, évidemment. Et puis en pleine pandémie et de retour de, je sais plus quelle île. Retour de vacances, voilà. Voilà. Okay, bah, ça avait défrayé la chronique, mais bon. Mais et conclu par quelqu'un qui avait été le conseiller de Macron pour les questions universitaires et de recherche et qui maintenant pilote une instance qui se présente comme neutre et qui contrôle la vie universitaire. Et donc, si vous voulez, ce qui est grave, que ça existe, évidemment, mais ce qui est grave, c'est que Macron laisse faire. Et donc, alors vous me direz, en même temps, ah oui, en même temps, il laisse faire des choses très différentes. Mais moi, ça me gêne. Vous dites qu'il laisse se prospérer, et vous dites même, sous votre présidence, une radicalité idéologique se réclamant de la République a pris un élan et une force étonnante. Donc, il y a une nouveauté, une gradation nouvelle. Voilà. Alors, je voudrais dire quelque chose qui est un peu tordu, un peu compliqué. Quand on parle extrémisme, en général, en France, on pense d'abord extrême droite. On peut penser ultra-gauche, mais je laisse la gauche de côté. Mais on pense d'abord extrême droite. C'est ça l'extrémisme auquel on pense. Eh bien, je pense que ces courants, dans leur version les plus dures, je dirais pas qu'ils sont d'extrême droite, mais ils fabriquent une nouvelle radicalité extrême. Hein. Et c'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Alors, ils ne sont pas, comme je l'ai dit, nationalistes, mais je vous donne un exemple assez tangible. Ils sont contre l'antisémitisme. Très bien. Merveilleux. Mais quand on les écoute, la plupart du temps, pas toujours bien sûr, mais dans l'ensemble, l'antisémitisme, où est-ce qu'il est ? Il est chez les musulmans. Autrement dit, ils sont contre l'antisémitisme, mais certaines formes d'antisémitisme les mobilisent vraiment très peu. Et par contre, dès qu'il est musulman, ça les mobilise beaucoup. Donc si vous voulez, ce sont des combats que je crois, moi, dangereux, inquiétants pour la démocratie. Divise, c'est ça que vous dites. Et ce sont des combats qui nous divisent, mais où on jette le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire, bien sûr qu'il faut se débarrasser de l'islamisme, mais enfin, on ne peut pas traiter l'islam comme l'islamisme. Bien sûr. C'est ça le problème. Votre livre, il commence par la question démocratique et celle des libertés publiques qui vous inquiète beaucoup, et c'est cette question qu'on va développer maintenant. Avec, en visio, depuis Berlin, la juriste Stéphanie Hennette-Vaucher. Bonjour, vous êtes professeure de droit public à l'Université Paris-Nanterre et vous avez publié ce livre, La démocratie en état d'urgence, quand l'exception devient permanente. Ça a été publié au Seuil. Et avec toi, Bérénice Gabriel, salut de la rédaction. Dans un instant, on va voir ton reportage. Peut-être Stéphanie Hennette-Vaucher, un mot sur ce qu'on vient de dire avec Michel Wievorka, cette nouvelle méthode qu'a annoncée Emmanuel Macron, moins verticale, plus collégiale, moins brutale d'une certaine façon, si l'on en croit la question des libertés publiques. Pareil, même question, est-ce que vous y croyez ? Comme Michel Wievorka, mon rôle ici n'est pas d'y croire ou de ne pas y croire, mais de documenter les leçons qu'on peut tirer de l'expérience passée. Et c'est vrai que de ce point de vue, le quinquennat qui s'achève, il est assez marquant puisqu'il a été inauguré par le tour de passe-passe qu'a constitué la loi SILT, la loi Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme, qui, la veille du jour où l'état d'urgence antiterroriste devait prendre fin, a transposé 4 des principales mesures de l'état d'urgence dans le droit commun. Et puis ensuite, on se rappelle ce qui s'est passé. On a normalisé l'état d'urgence et face à chaque difficulté, les gilets jaunes, la pandémie, eh bien on a recouru à cette panoplie très sécuritaire pour répondre en réalité. Donc face aux gilets jaunes, on a tous vu le raidissement du maintien de l'ordre, l'adoption de la loi anti-casseurs en 2019, le développement des pratiques de garde à vue préventive, etc. Et puis face à la pandémie, on a eu immédiatement le réflexe état d'urgence, la création d'un état d'urgence sanitaire sous l'empire duquel on continue de vivre aujourd'hui près de 2 ans plus tard. Donc effectivement, moi je ne sais pas si ce que je crois n'est pas intéressant. En revanche, ce dont je suis certaine, c'est qu'il est très important de faire un bilan critique de la manière dont les libertés ont effectivement été traitées au cours du quinquennat qui s'achève pour pouvoir savoir exactement comment envisager le prochain. Et alors ce bilan, on va le poursuivre avec vous et Michel Wievorka, mais on va s'intéresser à un des aspects justement de ce dont vous avez parlé, la répression notamment contre les mouvements sociaux. Vous avez cité les gilets jaunes, mais c'est aussi le cas, Bérénice, pour le mouvement climat ces dernières années. Oui, et les militants que j'ai rencontrés dénoncent la criminalisation du mouvement climat. Tous ont eu affaire de près ou de loin à
la justice. Pourtant, en ce début de nouveau quinquennat, ils sont déjà repartis sur le terrain. Mardi, il y avait des sanctions un peu partout. Des actions. un peu partout en France avec Youmni Kezouf. On en a suivi une à Paris. On avait rendez-vous à 6h du matin dans une station de métro. Jusqu'au dernier moment, le lieu de l'action était tenu secret. On nous a amenés devant le ministère de l'écologie où une dizaine d'activistes montaient un mur pour fermer symboliquement le ministère après 5 années d'inaction. Le mur est monté à toute vitesse et une dizaine de minutes plus tard... Les militants repartent en courant pour éviter les forces de l'ordre. Cette fois-ci donc, pas de garde à vue ni de gaz lacrymo. Contrairement à cette action il y a 3 ans, sur le pont de Sully, les images avaient marqué. Les militants climat organisent aussi des actions légales, comme hier après-midi sur le plateau de Saclay. C'était un rassemblement contre les travaux de la ligne 18 du futur métro. Ambiance scène de crime et enterrement pour mettre en avant la destruction de la biodiversité. Macron laisse béton ! Macron laisse béton ! Perruche Sauterelle, nous vous invoquons. L'homme que vous voyez à terre se fait appeler Antoine, un nom d'emprunt pour passer sous les radars de la police. Ce militant d'Extinction Rébellion défend la désobéissance civile. Le 15 octobre 2021, toujours à Saclay, il bloquait le chantier de la ligne 18 en déployant une banderole sur une grue à visage découvert. Du tout, on a grimpé une structure, et on a grimpé une échelle et on a attaché une banderole et on descend de notre plein gré volontairement. Et du coup, les policiers sont en bas, on n'a aucune raison de protester sur ce qui se passe et on tend les mains pour qu'ils nous mettent les menottes et on est d'accord avec ça. Ou on assume les gestes qu'on mène, donc c'est ce qu'on fait habituellement et on a un bon contact avec les forces de police, ils savent très bien que de toute manière on va descendre un jour. Pour des faits similaires, Antoine a déjà eu un rappel à la loi. Il risque jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, mais ça ne l'arrêtera pas. Je trouve que c'est un peu violent comme acte de mettre des militants en procès pour si peu. Donc ça pose très clairement la question de la crimination des activistes. À quoi joue le gouvernement à nous envoyer en prison pour des choses comme ça? Oui, c'est un poids psychologique parce que surtout je suis forcément amené à refranchir ce genre de pas-là. Il est tout à fait possible que je refasse de la garde à vue cette année. Donc j'essaye de pas y penser puis de continuer à avancer et continuer à se battre. Voilà, c'est aussi l'idée de pas se faire écraser par ce système qui du coup met la répression à ce niveau-là. Antoine fait partie des 300 militants placés en garde à vue depuis 3 ans. Donc ça, c'est selon les chiffres d'Extinction Rébellion qui nous ont été transmis. 5 autres ont eu droit à un procès et environ 200 amendes ont été prononcées. Et il n'y a pas que pour Extinction Rébellion, c'est pareil pour d'autres organisations climat. Oui, c'est pareil pour Alternativa et ANV COP21. C'est 317 gardes à vue, 51 procès et plusieurs dizaines d'amendes. Et enfin, pour Greenpeace, depuis 5 ans, c'est 160 amendes, 140 gardes à vue, dont une quinzaine pour collage considéré comme abusif pour l'ONG. Les militants qu'on a interrogés ont donc l'impression qu'un étau se resserre autour d'eux. C'est le cas de Chloé Gerbier d'Extinction Rébellion. Pour elle, tout ça, c'est un moyen de faire pression sur les militants. Ce type de procès là, pour entrave à travaux publics, on l'a vu aussi à Montpellier, on l'a vu aussi sur le plateau de Saclay. Là maintenant on l'a sur Aubervilliers, c'est un article qui est de plus en plus utilisé pour ce type de blocage là. Et d'un autre côté aussi, tout ce qui est amende avec le confinement, on a eu cette amende Covid qui a vraiment été généralisée ensuite pour tout ce qui était attroupement illégaux sur l'espace public ou non déclaré. Et donc cette amende de 135 euros, elle est devenue quasiment automatique. Et c'est évidemment hyper dissuasif. On n'a pas de quoi, dans les mouvements, moi je fais aussi partie d'Extinction Rébellion, on n'a pas de quoi payer toutes les amendes de 135 euros. On a vraiment beaucoup de mal à suivre là-dessus. Typiquement aussi à ANV COP21, pour leur action d'entrée sur le tarmac de l'aéroport, les militants se sont pris des amendes de plus de 750 euros. On ne peut pas suivre. Et puis finalement, les gardes à vue, les procès, c'est aussi ce qui fait qu'on perd des militants. Enfin, moi, typiquement, si à un moment je suis condamnée de manière définitive, je ne pourrais pas m'amuser à aller refaire ce type d'action encore et encore. Ou alors, il faudra que je le fasse en ayant bien conscience du fait qu'à un moment, ça peut tomber, de la prison ferme peut tomber si on est sur trop de récidives.
En février dernier, avec d'autres activistes, elle bloquait le chantier de la future piscine olympique d'Aubervilliers. Certains se sont accrochés à une bétonneuse. Une heure plus tard, la police intervient et déloge les manifestants. Chloé et 7 autres personnes passent 34 heures en garde à vue. En fait, la garde à vue, ça se passe en deux temps. Donc c'est soit on a une autorisation pour 24 heures, et soit on a l'autorisation pour, en fait on la renouvelle et du coup c'est 48 heures en tout. Ce renouvellement, c'était déjà complètement disproportionné, à savoir que pendant notre renouvellement de garde à vue, on n'a pas été auditionné. Donc il n'y avait en fait aucune raison de nous garder. Et ils disaient juste qu'ils nous gardaient comme ça et qu'ils ne nous entendraient pas et qu'ils attendaient en fait la décision du procureur. Alors Chloé, elle est accusée d'entrave à travaux publics ou d'utilité publique par voie de fait. Elle risque 1 an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Et face à ces sanctions jugées injustes, eh bien d'autres militants, eux, tentent de faire évoluer la loi. Oui, c'est le cas des décrocheurs des portraits d'Emmanuel Macron. Donc, vous vous rappelez, en 2019, après la condamnation de l'État français pour inaction climatique, l'action non-violente COP21 lançait un mouvement de décrochage des portraits du président dans plusieurs mairies de France. Leur but, dénoncer le vide de sa politique climat. Parmi ces décrocheurs, Cécile, qui a agi dans plusieurs mairies à Paris, comme toujours à visage découvert, malgré les risques. Si la police voulait nous retrouver, ils nous retrouveraient très facilement. Et c'est ce qu'ils ont décidé de faire, puisque 3 semaines, 1 mois après les premières actions, on a reçu une convocation. Une convocation dans un simple commissariat parisien? Pas du tout. On s'est retrouvés dans la brigade du grand banditisme. Donc c'est des officiers de police judiciaire qui normalement sont chargés de enquêter sur des grands réseaux criminels liés à la drogue, par exemple, qui se sont occupés de notre affaire. Quand on a appris ça, on a trouvé ça à la fois totalement démesuré et un peu risible. Et en fait, les personnes qu'on avait en face de nous trouvaient ça aussi totalement démesuré, nous faisaient comprendre indirectement. Mais en face de nous, on avait des officiers de police judiciaire qui se demandaient « Mais en fait, pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça aujourd'hui ?» Quelques temps plus tard, on a appris que l'État avait carrément mis le bureau du antiterroriste pour faire le suivi de tous les décrochages de portraits dans toute la France. Lutte antiterroriste. Lutte antiterroriste, alors qu'on a mené des actions pour voler des portraits qui valent 8,70 € à visage découvert, avec une médiatisation autour. Donc ça pose quand même de grandes questions sur où l'État met-il ses moyens en termes de répression et qu'est-ce qu'il choisit de réprimer ou non. Résultat, un procès et une condamnation en 2019 à 500 euros d'amende pour vol en réunion. Condamnation confirmée en appel, Cécile et d'autres se sont pourvus en cassation. On pense que notre action, elle relève de la liberté d'expression et qui est protégée par la Convention européenne des droits de l'homme. Ce qu'on veut montrer, c'est que la répression qui a été menée suite à ces actions, elle vient atteindre notre liberté d'expression et que le juge et la justice, elle devrait la protéger. Et si cette décision elle est prise, c'est une décision qui peut avoir un impact sur tous les mouvements qui mènent ce type d'action, que ce soit des actions de désobéissance civile ou des performances politiques, ou, enfin j'en sais rien, mais en tout cas des actions qui, certes, viennent enfreindre la loi, mais parce qu'on considère qu'elles sont tellement importantes pour le débat public et pour le débat de société. Eh ben, en fait, l'État n'a pas le droit de réprimer les activistes comme ils ont pu nous réprimer ces 3 dernières années. Donc, dernier recours après la Cour de cassation, c'est la CEDH, donc la Cour européenne des droits de l'homme. Et selon nos informations, Cécile et son mouvement iront jusque-là et ce serait pour eux une grande première. Merci beaucoup, Bérénice et Youmni Kezouf, pour cette enquête. Michel Wieworka, on l'a vu, ce long reportage, cette enquête de Bérénice et Youmni Kezouf, des amendes, des gardes à vue, des militants, elle nous le dit, entendus par le grand banditisme ou la lutte anti-terro, est-ce bien sérieux? Bah, c'est pas tout à fait des djihadistes qu'on a vus. Or, la législation, elle a quand même été construite pour les djihadistes. Je simplifie, bien sûr. Et donc, c'est le premier problème. C'est qu'on utilise, et là, Stéphanie pourra en parler bien mieux que moi, après, voilà. Mais on a vraiment vu qu'une législation faite pour répondre à certaines questions, en réalité, sert à autre chose. Mais il y a un point qui est très important. C'est que dans l'ensemble, je dis bien dans l'ensemble, l'opinion a peu suivi les gens qui ont dénoncé ces dérives, ces dérapages, dans l'ensemble. Alors qu'avec la crise sanitaire, là le problème est devenu très différent, parce que lorsque les mêmes mesures d'exception ou d'autres ont été utilisées
contre... Moi, je suis pour la vaccination, hein, c'est pas du tout un jugement de valeur, mais contre les anti-vax, les anti-pass, qui sont aussi des anti-Macron... C'est le cœur de la société. Là, c'est la société, une partie de la société qui est entrée en sécession, et là, les mesures d'exception posent des problèmes bien plus graves, et le résultat, c'est ce qu'on a vu aux Antilles, c'est-à-dire les gens qui votent avant tout contre. Une crise de défiance. Stéphanie Hennette-Vaucher, un petit mot sur ce reportage. L'action militante, elle est aujourd'hui, on peut le dire, et ce quinquennat a aggravé potentiellement cet état de fait, elle est rendue en pratique extrêmement compliquée, soit par les violences policières, soit par la criminalisation qui a été décrite dans ce reportage. Oui, et par d'autres choses encore. C'est-à-dire, je crois que les leçons qui sont à tirer du quinquennat sur la question de l'action militante et plus généralement de l'espace civique, elles sont alarmantes pour deux raisons. Elles sont alarmantes d'abord pour les points qui ont été évoqués dans le reportage, c'est-à-dire de manière plus générale les transformations des politiques de maintien de l'ordre, disons, qui touchent bien sûr l'action militante, qui ne touchent pas que l'action militante, mais qui la touchent de la manière qui est très bien décrite dans le reportage. Il y a une autre chose qui est très importante, c'est que pendant ce quinquennat a été adoptée la loi du 24 août 2021 confortant les principes de la République, qu'on appelait initialement loi de lutte contre les séparatismes. Et cette loi, elle fait beaucoup aussi pour mettre la pression, comme l'indiquent certains des activistes que vous avez interrogés, sur l'action militante. D'abord parce que toute association qui désormais bénéficie d'une subvention est soumise à la signature d'un contrat d'engagement républicain, ce dont on peut parler sur le principe, mais dans ce contrat d'engagement républicain, il y a notamment l'engagement à respecter l'ordre public, ce qui est quelque chose de très important, parce que en réalité, on voit bien que c'est ici une mesure un peu de chilling effect, une mesure de un coup de semonce contre les actions militantes qui peuvent passer par des actions en délicatesse avec l'ordre public, occupation d'espaces publics ou privés, etc. Aide à des migrants en situation irrégulière, que sais-je, on voit bien en réalité qu'il y a toute une partie de l'action civique et militante qui peut très vite se trouver en délicatesse avec une exigence de respecter l'ordre public. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que les associations ou les personnes ne sont pas soumises au respect de la loi, mais il y a bien d'autres manières. Le droit n'est pas du tout dépourvu, il y a déjà bien de manières de les obliger au respect de la loi. Donc le fait qu'il y ait ça dans le contrat d'engagement républicain, par exemple, est un signe assez important de cette fragilisation de l'espace civique. Et on pourrait dire la même chose avec la pratique des dissolutions administratives d'associations, qui est une pratique qui a vraiment le vent en poupe, puisque j'ai fait un décompte depuis l'arrivée de Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur, il y a eu 14 décrets de dissolution d'associations, dissolution administrative, ce qui est un pouvoir de haute police qui existe dans le droit français depuis 1936, mais disons qu'entre 1936 et 2010, il y avait eu à peu près 130 dissolutions, donc une moyenne d'un et demi par an. Là, on est plutôt à 14 sur deux années. Donc, on voit bien effectivement que de multiples manières, l'espace civique est véritablement un peu pris en tenaille par des évolutions politiques et juridiques. Alors, dans votre livre, et Michel Durca pourra rebondir, j'imagine, vous faites la liste quand même, c'est là où il est très intéressant, votre livre, d'un amoncellement de lois antiterroristes, de textes sécuritaires et d'autres dispositions sous le quinquennat précédent. Quand vous faites la liste, c'est quand même assez impressionnant. En plus, c'est une liste qui ne cesse de s'actualiser, en fait, puisqu'il y a toujours de nouveaux épisodes. Effectivement, la liste est très longue et elle est en mouvement perpétuel. Il y a effectivement eu depuis 2015 8 ou 9 lois antiterroristes. Il y a toute une série de lois sécuritaires, la loi anticasseurs de 2019, la loi sécurité globale de 2021. Il y a bien sûr la loi séparatisme dont je parlais à l'instant. Et puis il y a beaucoup d'autres choses, pas forcément des textes législatifs, mais effectivement le schéma du maintien de l'ordre, les décrets sur le fichage des opinions politiques de décembre 2020. Enfin, effectivement, on peut faire une liste très longue. Je crois que ce qui est important de se demander, c'est pourquoi.
Pourquoi est-ce que cette liste est très longue? Pourquoi est-ce que, d'une certaine manière, c'est un mouvement perpétuel de restriction des libertés? Et c'est vrai que, dans le livre, une des clés d'analyse que je propose, c'est évidemment pas la seule, mais une des clés d'analyse que je propose, c'est de considérer que le fait, pour les gouvernements, d'avoir face à chaque difficulté le réflexe de l'état d'urgence, c'est-à-dire le réflexe de mettre de côté le fonctionnement normal des institutions et les critères habituels d'acceptation des restrictions aux libertés, bien évidemment, ça crée une situation d'abaissement généralisé de la garde en matière de liberté. En fait, normalement, une restriction aux libertés, elle n'est acceptable que si elle est nécessaire, adaptée et proportionnée à la situation, au risque ou à la menace qui la justifie. Et ce qu'on voit en période d'état d'urgence, et c'est pas moi qui parle ici, c'est le Conseil d'État lui-même qui l'écrit dans le rapport de septembre 2021 qu'il a consacré à la question, en période d'état d'urgence, il y a un réétalonnage de l'équilibre entre liberté et sécurité au profit de la sécurité. De sorte que, non seulement on voit bien que toutes les exigences de sécurité face au terrorisme ou face à la pandémie, par exemple, gagnent en puissance, mais surtout, même les juges qui vont, le cas échéant, avoir à contrôler si les restrictions aux libertés sont acceptables, eh bien, même les juges travaillent différemment. Parce que même eux vont altérer les exigences de proportionnalité qui sont habituellement les leurs. Michel Vivorca, vous souhaitez réagir en entendant Stéphane? Enfin, réagir. D'ailleurs, je cite son travail. Il m'a été très utile et je l'avais trouvé très précieux, parce que précis, documenté, ce que vous avez rappelé. Et donc, je pense que c'est une logique très générale de hyper-droitisation. C'est vraiment une droitisation forcenée, et que ça atteint même, on parlait tout à l'heure des problèmes wokisme, etc., ça atteint même les gens qui ont en charge l'université. Dans ce paysage, il faudra que Stéphanie écrive un jour un livre sur comment les libertés académiques sont affectées par tout ça, sont menacées. Et ce qui me frappe, c'est que c'est vraiment des choses très classiques. La séparation des pouvoirs, qui est une notion un peu compliquée, mais enfin, ou qui mériterait d'être discutée, disons, mais enfin, quand même, l'idée est simple. Après, l'idée est simple. La séparation des pouvoirs fonctionne mal ou fonctionne moins bien. Et évidemment, c'est le renforcement de l'exécutif. Alors, quand vous avez un exécutif, comme on le disait tout à l'heure, qui ne s'intéresse pas aux corps intermédiaires et aux médiations, un exécutif qui procède en mettant en avant en permanence l'insécurité, l'ordre, etc., quand tout ça va ensemble, il y a effectivement de quoi s'inquiéter beaucoup. Et ce qui me préoccupe le plus, c'est que dans notre pays, ça va si loin avec les affaires sanitaires que ça crée des ruptures, ça fragmente encore plus le corps social. Et donc, quand on a des ruptures, qu'est-ce qu'on fait? On réprime encore plus et on utilise encore plus de mesures et on se retrouve avec tout ce qu'analyse Stéphanie, c'est-à-dire de plus en plus de lois qui de décrets, etc., qui s'accumulent les uns sur les autres. C'est-à-dire qu'en vous écoutant, même si Emmanuel Macron là nous dit en ce moment ma pratique de gouvernement sera plus collective, etc., ce qui à ce stade est complètement des vœux pieux et des promesses, on est embarqué dans quelque chose qui fait que de toute façon, même juridiquement, c'est compliqué de changer ses pratiques. Alors ça, la juriste le dira mieux que le sociologue, mais c'est très clair, on ne revient pas en arrière facilement. Et puis en plus, ça façonne une culture, ça façonne des façons de travailler, pas seulement pour les juges, les associations, elles anticipent, les militants qu'on voyait tout à l'heure, ils anticipent, enfin, et ça crée l'image d'une société insécure, ça renforce encore plus le sentiment d'insécurité. Et donc, si vous voyez, tout ça est extrêmement toxique, et cette spirale qui prend différentes formes, oui, on peut espérer que le président va tout faire pour non seulement l'interrompre, mais pour renverser la vapeur, mais pour l'instant, on attend des signes tangibles. Et vous n'en êtes pas certain, puisque dans votre livre, vous lui demandez à Emmanuel Macron, est-ce que vous voulez plus de démocratie, ou est-ce que vous, en train d'accompagner le mouvement vers plus d'autoritarisme, et vous n'avez pas vraiment la réponse. Stéphanie Hennec-Vaucher, sur cette réversibilité ou irréversibilité de tous ces arsenaux juridiques d'exception, en fait, qui se mettent en place, c'était déjà avant le quinquennat d'Emmanuel Macron, évidemment, on se rappelle notamment de la loi renseignement sous François Hollande, mais ça, vous le dites dans le livre, ça a beaucoup augmenté ces dernières années avec toutes sortes de dispositifs. Est-ce que c'est réversible? Est-ce qu'on peut revenir en arrière? À vous lire, on a l'impression que c'est très compliqué. Ben, ça serait théoriquement possible, simplement l'expérience prouve que, en général, en matière de restrictions aux libertés, on ne revient pas en arrière. Et là-dessus, je voudrais
attirer l'attention sur... on a pas mal parlé du fond et du type de mesures restrictives, mais aussi sur la manière dont elles adviennent. Ce qui s'est passé autour de la surveillance de l'espace public par drone, par exemple, est très intéressant parce que pendant le confinement et puis après en juin 2020, par rapport à un certain nombre de manifestations, il y avait eu dans plusieurs municipalités et de manière emblématique à Paris une surveillance par drone. Et à deux reprises, le Conseil d'État avait censuré en disant que la surveillance de l'espace public par drone n'était pas légalement permissible en France. Sur ces entrefaites, la proposition de loi Sécurité globale recevait le soutien du gouvernement et certaines de ses dispositions emblématiques visaient justement à permettre la surveillance par drone, censure du Conseil constitutionnel. Eh bien, le projet revient dans un texte qui a été adopté depuis, qui est la loi de janvier 2022, qui s'intitule « Responsabilité pénale et sécurité intérieure ». Bon, il y a à nouveau une petite censure du Conseil constitutionnel, mais disons que, à force de s'y reprendre, la surveillance de l'espace public par drone est aujourd'hui quelque chose de légalisé en France. Je crois que cette manière insistante d'y revenir, c'est-à-dire que on a à plusieurs reprises des juges qui disent « mais non, mais c'est pas possible, il y a une violation de la vie privée, il y a un certain nombre de droits fondamentaux qui sont remis en cause ». Et en fait, le législateur, au lieu de prendre... Est-ce qu'on a véritablement eu un débat sur qu'est-ce que ça veut dire en démocratie d'avoir une surveillance de l'espace public par drone? Quelles sont les alternatives? Comment est-ce qu'on peut concilier, le cas échéant, cette méthode de surveillance et les droits fondamentaux? Non. Tout ce qu'on a, ce sont des ajustements techniques. Le législateur dit « Ah bah tiens, j'ai été censuré par le Conseil constitutionnel, alors je vais rajouter quelques mots ici pour donner l'impression d'accroître les garanties, etc. » En somme, enfreigner les frontières de la légalité, il en restera toujours quelque chose. En fait, le juge ici n'est plus un coup d'arrêt, mais simplement un empêcheur de légiférer en rond. Et au fil de l'insistance, eh bien, au bout d'un an, on voit que ce qui était totalement impossible début 2020 est désormais légal. Donc, c'est des manières de faire, une insistance, une répétition, qui finit par faire changer véritablement les curseurs. Michel Vivorquet, est-ce que finalement, parler de débat, Stéphanie Hennette-Vaucher, et de, vous parliez aussi de cette verticalité finalement étouffante pour la société, est-ce que nous avons encore les moyens collectivement d'aérer cette société, de créer ces espaces de débat, ces espaces de discussion, de démocratiser ce système politique pour, par exemple, que des débats sur la surveillance ou d'autres, ou l'utilisation de la violence légitime, on a envie de dire, soit mise en débat dans la société. On a l'impression aujourd'hui que c'est plus du tout possible, d'où Gilets jaunes, d'où la contestation après la pandémie, d'où ce sentiment d'étouffement en général. Alors, ce qui est dramatique, c'est que c'est le vide politique à gauche du gouvernement, jusqu'à ce qu'on arrive à la France insoumise. Mais entre le gouvernement et le pouvoir actuel et la France insoumise, c'est le vide politique. Et je n'ose pas rappeler quand même que François Hollande s'est pris les pieds dans le tapis au moment de 2015. La déchéance de nationalité. Avec la déchéance de nationalité, le départ de Christiane Taubira, etc. Donc c'est pas simplement Emmanuel Macron. Et donc, ce que... Je vais le dire de façon qui vous étonnera peut-être. On peut pas tout mettre sur le dos d'Emmanuel Macron. Il y a aussi le fait que dans cette société, on n'entend pas beaucoup d'acteurs peser utilement dans le bon sens. Et d'une certaine façon, et qu'est-ce qui arrive à Emmanuel Macron? Il est là, disons, au centre-droite, et il a une extrême droite et une droite de droite, je dirais même simplement, qui dit « mais c'est pas assez, il en faut plus ». C'est pas lui le méchant hein, dans tout ça, c'est « il en faudrait plus, ça va pas assez vite, ça cogne pas assez fort, etc. » Donc, il est poussé comme ça, et dans son camp même, c'est pour ça que dans mon livre, je suis très critique par rapport au discours de certains de ses ministres. Et dans son propre camp, les gens lui disent aussi « il faut y aller plus vite, il faut y aller plus fort ». Et c'est là où tout est extrêmement toxique. Et les discours que l'on entend à ce moment-là disqualifient toute parole qui n'est pas extrême. Et par conséquent, bon, moi je suis pas un excité, je suis pas quelqu'un qui prône la révolution, etc. Mais des gens comme moi, on se retrouve taxé d'islamo-gauchisme, de wokisme, de tous les péchés qu'on voudra. Autrement dit, sur certains registres, d'autres sont taxés de naïveté et d'ignorance parce qu'ils luttent pour que les droits soient respectés, c'est ce qu'on vient d'entendre avec Stéphanie. Et donc, si vous voulez, les gens qui ne sont pas du tout, comment dirais-je, les gens qui veulent mettre le pays à feu et à sang, sont poussés, relégués, hors de l'espace du débat
possible. Et donc le problème, c'est que c'est pour ça que c'est très bien que vous invitiez des gens comme nous, il faut qu'on puisse faire entendre certaines voix, mais le problème, c'est ce vide politique qui rend difficile l'écoute hein, de voix comme celle qu'on entend aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup, Michel Wieworka. Merci à vous, Stéphanie Hennette-Vaucher. Je vais rappeler vos deux livres. Tiens, je vais les montrer, puisque je les ai ici. Voilà, les deux livres. Alors, Monsieur Macron, heureux, Michel Wieworka. Ça, c'est, voilà, c'est celui-là, à Rue de Seine édition. Et puis, La démocratie en état d'urgence au seuil, c'est Stéphanie Hennette-Vaucher. Deux livres excellents. Merci d'être passé par le plateau d'Aller Libre. Vous restez avec moi deux secondes. On va regarder le 24 heures. Si vous n'avez pas lu Mediapart depuis 24 heures, d'abord abonnez-vous pour pouvoir lire Mediapart, parce que vous savez que Mediapart ne vous informe que grâce aux abonnements, et on va faire une petite séance de rattrapage. Dan Israël a rencontré la sociologue Véronique Dauba-Letourneux à l'occasion de la Journée mondiale de la sécurité au travail. En France, chaque semaine, 14 salariés du privé décèdent à leur poste dans l'indifférence quasi générale. Mathieu Suc a enquêté sur le rôle prépondérant des téléphones portables dans la lutte ukrainienne contre l'invasion russe. Les services ukrainiens utilisent des renseignements fournis par la population pour préparer de nombreuses embuscades qui sont souvent assez dévastatrices pour l'armée de Vladimir Poutine. Le même Mathieu Suc et Sébastien Bourdon se sont penchés sur ces adolescents néo-nazis qui inquiètent la justice et pour cause. Dans des boucles Telegram, ces mineurs affichent leur racisme, leur fascination pour les terroristes d'extrême droite et se montrent eux-mêmes armés. Voilà, à l'air libre, c'est fini pour cette semaine. Ce week-end, sur Mediapart, ne manquez pas notre entretien Histoire avec François Bougon et ce sera au sujet du Festival d'Histoire de Toulouse. Et notre documentaire, ce sera samedi, il s'appelle « Après ta révolte, ton vote ». C'est sur le mouvement Ballet Citoyen au Burkina Faso qui tente aujourd'hui de mobiliser la jeunesse en revendiquant notamment l'héritage de Thomas Sankara. On se retrouve lundi 19h en direct et d'ici là, prenez soin de vous. Bon week-end.